Eh bien, salut à tous, je suis Super Creeperman et nous nous retrouvons pour jouer à un jeu qui s'appelle Besiege. Donc, c'est un jeu de construction de véhicules, tout ça. Donc, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même pas mal de temps sur Steam, en janvier 2015, je crois. Mais j'y joue seulement maintenant, vu que je l'ai que seulement maintenant. Faut pas demander pourquoi. Bon, hop, va faire l'émission. Donc, on va faire la première mission. Je pense que ce sera bien de commencer par la première mission. Ouais, ça c'est un truc que j'avais testé. Voilà. Donc, là il nous dit de détruire la maison. Donc il va falloir... Je peux pas lui dire de se taire. Ok, on va balancer ça là, voilà. J'en ai pas besoin, je sais comment construire. Au revoir. Voilà. On va construire un véhicule qui va nous permettre de détruire cette maison. Bon, alors, on va essayer de faire un truc assez basique quand même, hein. Je garde juste un petit truc. Ouais, ok. Non, je pense pour. Non, je pense pour le level 1, il n'y a pas vraiment besoin de plus. On va mettre des grosses roues. Voilà. On va quand même se donner la possibilité de tourner, je pense. Ça peut être pas mal de pouvoir tourner. Là, normalement on peut tourner. Ah non, on peut pas, non. Oh, c'est pas grave, de toute manière, je crois pas qu'on ait besoin de tourner. Ok, bon, on va aller à la zone suivante. Donc là, faut détruire le moulin. Je vais juste essayer avec ce véhicule, voir ce que ça fait. Ok. Ok. Ok, là je crois qu'il... Ouais, faut éviter les mines, je pense. Et faut aller ici. Ok, donc là il va falloir pouvoir tourner. Parce que si on peut pas tourner pour éviter des mines, ça va être assez chaud. Donc ce qu'on va faire... On va mettre des roues normales, je pense. On va essayer ça comme ça. Je sais vraiment pas si ça a marché. Ok, les moutons se suicident. C'est vraiment pas simple à contrôler. Ok, j'ai réussi à écraser le mouton. J'ai réussi à écraser celui-là. J'ai réussi à écraser celui-là aussi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire péter. Ok. Ok. Ça m'a juste fait littéralement voler. Là, je pense pas qu'une petite voiture comme ça va faire. Exactement, c'était plus que logique, mais bon. Donc, ouais, j'ai envie d'essayer de faire une catapulte pour voir. C'est pas dit que ça marche, mais c'est pas non plus dit que ça marche pas. On va essayer de faire un assez gros support.
pour pas que ça se retourne. Hop. Comment on peut faire une catapulte? Je suis en train de réfléchir là. Si on fait ça comme ça. Si je fais ça comme ça. Attendez, là il est dans quel sens? Non. Pour faire la rotation, c'est ça, je crois. Non. Non, je m'en rappelle plus. C'est quoi le bouton pour faire la rotation? C'est F. Ah non, mais non, là c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ok. Si je fais ça comme ça. Après, qu'est-ce qu'on peut prendre comme projectile? Une bombe. Je pense que ce serait bien une bombe. On va essayer ça comme ça. Bombe. On va mettre là. On va voir pour configurer les touches de ça. Pour qu'il a. On va voir, on va voir, on va voir. On va faire play. Ok, je vois à peu près le truc. Je vais essayer. Mais comment j'ai détruit le reste? Parce que il faut détruire ça et ça en fait. Ce que je fais, c'est tout simple. Je vais monter ça. Je vais faire ça comme ça. Bon, là pour l'instant, je trouve les niveaux ils sont quand même assez simples. Mais bon, je suis sûr, dans le futur, ça va se compliquer. Regardez, hop. Voilà. C'est vrai, il y a une bombe, faut que je mette direct au sol vu que j'ai pas d'amortisseur. Donc, je lance tout de suite. Voilà. Non, là. C'est, il y a plus de feu, je crois. C'est n'importe quoi ce que je fais là. Je veux. Vous savez quoi? Je vais contourner. Je vais contourner là parce que. Je vais pas m'en sortir. Je crois qu'en fait le véhicule il est trop large. Ah, j'ai trouvé la technique pour tourner facilement. J'ai trouvé la technique.
Non, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut faire pour avancer. Allez, allez! Ok. Tu peux le faire. Ok, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ah, mais je me demandais pourquoi j'avais déjà la moitié de rempli de ma ba la barre rouge en bas. Mais j'avais pas vu, mais en fait j'ai détruit la maison. Oh, allez, 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 allez. Non! Ok, on va recommencer. On va recommencer avec autre chose. On va voir. Ah oui, c'est vrai, il faut faire yes. On va voir pour faire un véhicule kamikaze avec un genre de bras mécanique. Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Normalement, ça devrait marcher. Parfaitement. J'espère. Gauche. Gauche. Droite. Droite. Ok. Après, pour faire un bras mécanique. On va poser ça au sol. Je regarde ce qu'on a. Un piston, parfait. Ouais, je pense que là on est bon. Maintenant, je vais juste voir armure. On va se faire un véhicule blindé. Littéralement blindé. C'est pas grave, on va pas protéger ici. Et on va essayer d'aller sur la mine pour faire exploser l'endroit avec tous les archers. C'est pas dit que ça marche. On va recommencer, on va recommencer. Je vais juste programmer le piston et on va mettre hop, speed, on va mettre en x2. On va mettre en x2. La vitesse des roues, on peut pas l'augmenter. On va voir pour mettre toutes les roues en x2. Ouais, on va essayer ça comme ça. On va essayer ça comme ça. Ok, donc ça va, on peut pas faire la technique du mec qui se suicide. Ok. J'essaie un truc sinon. C'est, je pense, la catapulte, c'était vraiment une bonne idée. Mais j'essaie de faire une mini catapulte. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique que la grosse pour se déplacer après. Mini catapulte. Je crois que j'ai une idée, je crois que j'ai une idée, je crois que j'ai une idée. On a dit gauche. Le speed, on le laisse normal, je pense, ça suffit.
Hop. Pour la catapulte, comment on va s'y prendre? Tu m'énerves avec ton intersection là. On va lancer une bombe quand même, on va rester sur la bombe. Ça sera 100 fois plus efficace qu'une pierre ou une boule de feu, je sais pas, ça peut être pas mal aussi. Et on va essayer de faire un truc, ça c'est quoi? Non, suspension. Je voulais voir pour mettre une suspension parce que je vois je peux pas. Parce que si je fais play là. Déjà j'ai pas bien programmé mes touches. On a dit là je crois que c'est haut et bas. Très rapide. Parfait. Maintenant on attend juste que le feu s'éteigne. Hein. Ok, il pleut des cadavres. Parce que je pense que vu qu'on est en bois, si on passe dans le feu, on brûle. Et là, normalement, pourquoi j'ai fait ça? Vers l'avant. Ok, c'est vers l'avant qu'il faut que je modifie. Là, on va dire pour que ça n'aille même pas à 10 degrés. On va tester. J'essaie de me la jouer, c'est sûr. Ok. Donc ça, c'est parfait. Mais c'est pas assez rapide. Faut que j'arrive à viser le truc. Allez, ça en x2. Parfait. Et là, je sais pas si vous avez vu. Pourquoi je l'ai cassé? Pourquoi je l'ai cassé? J'ai une idée. C'est où que j'avais vu un amortisseur? Là. Une suspension qu'on va mettre là. On va tester, on va tester, on va tester. Là, au moins, si je me fail, y a moins de... ouais, il y a un peu moins de chances que je me fail. On va voir pour solidifier. Je sais plus où c'est là. Voilà, on va faire des petites solidifications. Histoire que tout ne se pète pas. Là. Et voilà. Là, je pense. Il y a de quoi qu'on gagne. Va mettre au ralenti pour voir ce qui se passe. Non, pas 0%. Ouais, je crois que je vais enlever les. Je crois que c'est ces solidifications qui font que ça pète. Je comprends pas ce qu'il y a de différent avec avant qui fait que ça pète. Ah, peut-être qu'il faut pas que je démarre trop tôt.
crois que j'y suis là. Attention, on ralentit. Bah non. On va remettre 100%. Voilà. Je comprends pas pourquoi ça marchait pas. Donc là voilà. Normalement on a une petite sécurité et ça me servait un peu de bras mécanique pour taper le moulin. Ok. Chaque fois j'arrive à péter la maison derrière. Regardez, et là, je fais ça. Et ça marche pas. Voilà, je fais ça et ça marche pas. Et de plus, je me coince sur mon bras. Je veux gagner ce niveau. Hop. Monte. Enfin. J'ai enfin réussi. Après tant de galères. Donc sinon, ça va déjà être la fin de cette vidéo. Hein. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vais vous dire au revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye!